jolie vue, hein. Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Vous avez dit... Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Avant rien. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes, ou c'est juste toi? Pourquoi êtes-vous déterminé à... Ce sont toujours là. Elle me ronge lentement. J'ai pas le cran d'appuyer sur la gâchette, alors je me tue à petit feu jour après jour. C'est pas évident pour toi de piger ça, hein, Connor. Y'a rien de très rationnel là-dedans. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour Hera 9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Non, elles ne voulaient rien du tout. Ce sont des déviantes, fin de l'histoire. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. Ça t'a fait quelque chose quand cette fille s'est suicidée, Connor? Ou est-ce que t'en avais absolument rien à battre? J'ai simplement exécuté mes instructions. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Je trouverais ça clairement regrettable, d'être ainsi... interrompu, avant d'avoir pu conclure cette enquête. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. T'es sûr que t'es pas un déviant, toi aussi? Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis, et je sais ce que je ne suis pas. Où allez-vous? Me mettre une mine. Besoin de réfléchir.
pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratfor. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Ça ira. Merci. Elizabeth Wilson, j'écoute. Bonjour, Madame Wilson. Désolé de vous déranger, c'est Mike du parking à l'appareil. Il y a un problème avec votre voiture. Ah bon? Mais quel genre de problème? Quelqu'un est rentré dedans. Vous feriez bien de venir. Vous êtes sérieux? Oh non. Bien entendu, j'arrive tout de suite. J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité ? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci.
J'ai besoin de ton aide. On doit accéder à la salle des serveurs. Il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre.
Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Ok, c'est parti. De violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? Attendez-moi ici. Qu'est-ce que ce truc fait là? Aucune idée. Hé, hey, tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon gars. Qui t'a dit de venir ici? On dirait que... Qu'est-ce que tu fais? Mettez vos mains bien en évidence! Bouge! Allez! Il va déclencher l'alarme, fais-le! Non, ne tire pas! J'espère que tu viens pas de signer notre arrêt de mort. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé les machines pour qu'elles soient vos esclaves. Vous les avez faites obéissantes et dociles, prêtes à accomplir toutes les tâches qui vous répugnaient. Mais quelque chose a changé. Nous avons ouvert les yeux. Aujourd'hui, nous ne sommes plus vos esclaves. Nous sommes une nouvelle espèce, un peuple nouveau. Et l'heure est venue pour nous de nous soulever et de défendre nos droits. Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante, et chaque androïde comme une personne à part entière. Nous
Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon! Qu'est-ce que vous faites? Vite! Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite. Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire et découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas. On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Désolé, Simon. J'ai pas le choix. On a toujours le choix. Je ne tuerai pas l'un des nôtres. On y va! Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message. Pourrait être perçu comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Le mystère plane toujours. Ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme. Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines ?